Elle avait à peine 2 ans, assise sur le divan, en train de regarder à l'écran un dessin animé. Son père parlait avec mon mari, tout paraissait correct. Et moi, je me disais que des fois, dans le silence, dans l'harmonie, la bombe de demain est en train de se construire. Ces écrans qu'on n'apprend pas à apprivoiser, mais entre deux guerres, on donnait ce qu'on appelait l'eau-de-vie aux enfants pour qu'ils dorment mieux, ou quand ils avaient un rhume pour tuer le germe. Hein? On ne savait pas que c'était pas bon pour eux. Et aujourd'hui, quand on les voit si calmes, au lieu de se dépenser dans la cour afin de dormir, on se dit, oh, quand même, ils sont plus intelligents, ils sont concentrés, alors que c'est l'opposé. Cet écran est un dévoreur de concentration. Et la concentration, la capacité à suivre une idée, c'est la route de la pensée. Si je n'apprends plus à penser, je ne fais que consommer des idées, je suis manipulable à tout jamais. Ces enfants si jeunes, avec cette apparence de calme, on est en train de les détruire. Ce n'est pas que je sois contre cette informatique, vous voyez bien, je m'en sers avec vous. Cet écran est super, mais c'est comme pour l'alcool. Le verre de vin du cardinal Richelieu était bon pour la santé, mais pour le plaisir aussi. L'alcoolisme amène à autre chose. Pourtant, c'est un remède qu'on a pris, l'alcoolisme. Entre deux guerres, il y avait l'alcool. Les gens étaient tellement choqués qu'ils auraient eu du mal à communiquer. Ils ont pensé que l'alcool permettait de calmer les angoisses et aussi de reprendre le lien avec tous, alors que trop d'alcool isole encore plus. Aujourd'hui, il est important d'apprivoiser les outils, de savoir qu'un enfant, avant 6 ans, il faut vraiment essayer d'éviter l'écran, comme dit Boris Cyrulnik. Mais si on ne peut pas, au moins, lui montrer que ce n'est pas qu'un ami. Pourquoi? Parce que l'alcool, l'écran, quand c'est eux qui prennent les commandes, c'est vous l'objet de leur désir. C'est l'alcool qui dit encore. C'est l'écran qui dit « je te veux ». On inverse les rôles, on ne peut plus s'en passer. Et dans les mots comme « j'aime », quand vous pensez écran, écran c'est ce qui empêche de voir. Ces écrans empêchent de voir quoi, de voir qui dans une famille. Chacun dans notre écran est ce que l'on sait qui est à côté de nous. Mais regardez ces mots fous comme console. Console de jeu, elle console de quoi? Pendant le Covid, on l'a vu. Ça console de quoi? De l'isolement. Quels sont ces mots pervers qui manipulent nos vies et transforment nos enfants? Vigilance, vigilance, pour que l'esprit est l'outil de la pensée. Parce que sinon, nous serons damnés. Ciao.